Chapitre 5. Contagion through skin. Very disturbing. Alors, aider le club Ascalon contre la garde de Priwen. Sélection contre nature fait un rapport à Lord Redgrave sur Doris Fletcher. Et c'est bien dans cette direction. Il y a un cogneur par ici, Shitballs. De l'autre côté. Ça va me permettre de passer par là. Elle est occupée, c'est cool. Faut que je passe par le. Par lui de nouveau là. Shit. Oh, il y en a plusieurs en plus. Si je déclenche pas le combat. Yes! Cool! Alors, est-ce que j'avais utilisé des sérums ou pas? Non, au final dans. Ah si, j'ai utilisé un gros sérum de vie. Non, c'était un gros sérum de sang que j'avais utilisé. Ah non, un gros sérum de vie aussi. Parce que lui j'avais pas pu en créer deux. D'accord. D'accord. Donc ma scie, elle est à fond. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour améliorer ça? Nous, on améliore. On améliore les trucs. Lui, il a déjà tout. Lui, il a déjà tout. Lui, je peux pas encore. Il a tout aussi là-dessus, hein. Donc je peux vraiment utiliser toutes les ressources que je veux pour améliorer les choses. C'est cool. Là, en fait, avec ça, j'absorberai un peu moins de sang. Ça ferait un peu plus de dégâts, par exemple. Là, l'endurance, de toute façon, c'est pas le point fort de cette arme. On améliore des trucs. On regarde ce que ça devient petit à petit. Si jamais on peut trouver d'autres armes qui nous plaisent. Même si je pense que je vais rester sur ces armes-là pendant tout le jeu tant que tout se passe bien avec. Bah, à moins d'en récupérer vraiment des nouvelles. Genre là, le pistolet c'était très bien, mais on a récupéré un fusil de malade. Bien sûr que j'utilise le fusil de malade. Quoi. Alors, il suffit que je me trompe de côté. Voilà, on retourne par ici. Là et donc le manoir Ascalon, je crois qu'il est vite visible. Voilà, par ici. Allons faire notre rapport sur ce qu'on a découvert, parce qu'on a découvert pas mal de choses quand même. Hein. On a découvert qu'il y avait une race particulière de Scalm, mais peut-être même qu'on les considère pas vraiment comme des Scalm ou des vampires, qui sont spécialisés dans le fait de faire rôder des épidémies. On en a potentiellement identifié un, je continue de dire que ça en était un, mais oh, Lady Ashbury est ici. Ah, pas sûr d'être très content de cette nouvelle. Bonjour. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Oh, on est... On est passé du stade de l'amitié à l'amour avec Elisabeth, mais... Bon, c'était quelques nuits... C'était les nuits qu'il fallait, tu vois, ce genre... Waouh. J'espère qu'il n'y a rien à se passer avec elle. Welcome back to the Ascalon, enfin, rien de mauvais, j'entends. Parce que j'aime beaucoup son perso. Tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. I did my best. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you.
one of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Le Richou. J'aime pas trop la vision qu'il a de faire un gros mur, mais bon, écoutez, si c'est les ordres, on va jouer le jeu. Hein. As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, vous pouvez pas rester ici. I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Ouais, un immortel puissant, hein, vu notre sang et ce qu'on a fait à Marie. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye. Ah bah merci, monsieur. Pourquoi il est pas resté là, le Jean-Jacques, métamorphosé, ça aurait été plus simple. Hein. Mais bon, les traditions, hein, j'imagine. Tradition avant tout. Se rentre à l'entrée de Temple Church. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? Arrête de me regarder. Yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Sérieux? Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Alors Jean-Jacques Péteux, il peut faire que des scales. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. C'est un pilier de communauté, je peux pas le tuer. Build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor. Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already.
Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Goodbye for now. Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Toujours. Bon, faut qu'on aille. Ah, mais c'était un truc qui était fermé, ça. C'est-à-dire, on va pouvoir l'ouvrir. Excellent. Oh là là, on va encore avoir un choix, c'est sûr. Qu'on ait une personne qui soit tellement pour et une personne qui est tellement contre, c'est forcément un choix. Toujours un choix quand c'est comme ça. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Alors, je passe sur le côté ici. Donc je vais devoir recombattre tous les mecs dans le couloir là. Ouais. Stop right now. On veut le chasseur d'abord. Speaking over there. This one of them birds. Oh, on le three shot. Oh, 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 excellent. Excellent, notre arme fait tellement mal. Alors que c'est pas les dégâts sont pas forts. Pas les dégâts sont point fort, mais on est quand même bien content. Bon, alors ici c'est la situation un peu plus tendue. Comme d'habitude, on va sur l'examinateur avant tout. Outil. Ok. Ok. Ok, ça s'est bien passé. J'ai pas de chance, je vais pas me retrouver avec les autres. Juste un peu de loot, s'il vous plaît, un peu de loot, monsieur dame, au bout de bon cœur. Voilà, excellent. Ciao. Alors, les jardins de Temple Church. Il est presque. C'est ici. It's locked, all right. Ah ben je peux toujours pas passer. Another way to get into the neighborhood. Holy moly. Toujours des portes bloquées. La quarantaine. Ah ben je vais devoir passer par le truc en dessous là. Le fameux dont on parlait. Ah bah voilà. Ça y est, c'est le moment. C'est le moment où on entre dans les égouts et dans les machins. Alors. Faut que je passe. Niveau 29. Vraiment, on en est là dans notre relation. Oui, bonjour! Ouah! Oh! Ok, 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 ok. Ok, ok. Repair! Aïe! Je te bouffe, mon gars. Pas de soucis. Ah, aïe, 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 ça fait trop mal. Ça fait trop mal, on se fait tout shot. J'en peux plus, faut qu'on améliore notre perso, quoi. Mais...
Et on arrive encore à tenir, hein, mais ça devient chaud, vraiment. Tout ça pour espérer sauver un citoyen à un moment donné. Hein. On n'est toujours pas sûr de pouvoir le faire. C'était par là, hein, je crois. C'était par là. Allez, les cônes des ombres. Les cônes. I think this passage could lead me close to Horatius Dawson's mansion. You're Jean? Bleeding! Bouge là, bouge là, bouge là! Non, oui! Oh là là, j'avais plus rien, j'avais plus d'endurance. C'était fini. Ah, l'entrée secrète, donc c'était bien ça. J'imagine. Pouh, ça devient chaud. Je sais pas où on en est par rapport à l'entièreté du jeu, mais j'ose imaginer qu'on commence à être à l'endroit où c'est censé devenir chaud, parce que sinon on est mal. Hein. On a trouvé un moyen d'accéder au manoir, suivre le passage pour se rendre au manoir. Faisons ça. Avec un peu de chance, c'est aussi ce qui mène à elle, là. Les deux sont assez proches, mais j'ai pas l'impression que ça touche. Donc, on verra.